Tout le monde, on se retrouve pour le 12e épisode de Empire. Là, on va. La dernière fois, j'avais explosé totalement l'armée espagnole. Je suis à deux doigts de prendre un nouveau territoire en Amérique du Sud et on va tout de suite passer le tour. Tandis que le tour dure longtemps, on aura le temps de parler. Donc voilà, là, je vais faire une petite vidéo, hein, 25 minutes à tout casser. Il n'y aura peut-être pas de bataille dans cette vidéo. Parce que je suis complètement crevé. Je viens de passer une semaine éreintante. Depuis la semaine dernière, je suis complètement débordé. J'ai eu beaucoup de travail. Et là, je viens enfin de finir ma grosse semaine. J'ai encore un gros truc à faire pour vendredi. Ça, j'aurai tout le jeudi pour le faire. Mais là, je suis complètement crevé. Ça, c'est du suicide. Donc là, on va faire une petite vidéo. Mais franchement, là, j'ai pas envie de me fatiguer. Je vais faire une vidéo parce que vous me demandez la suite, hein. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait la suite, ça va faire plus d'une semaine. Ouais, c'est ça, plus d'une semaine que j'ai pas fait la suite de ma campagne sur Empire, on me l'a demandé. Surtout que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, hein. Normalement j'ai 3 vidéos par semaine, là la semaine dernière j'ai pu en faire 2, et encore. Là c'est la première de la semaine, mais bon, j'ai vraiment été très très chargé. Et je préfère d'abord m'occuper de ma vie privée, hein. C'est comme ça que ça marche pour moi. La vie privée avant tout, l'école, tout ça. Enfin l'école, oui c'est l'école, je suis en école d'archi. Donc voilà, c'est maintenant, normalement, dans les semaines suivantes, ça devrait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je vais être beaucoup moins fatigué. C'était quoi ça? Putain, ils sont encore là, eux! Les bourres! Putain, en plus j'ai l'armée française, allez! Allez, c'est parti. Rébellion, Nouvelle-Andalousie. Ah super, c'est les Colombiens. Et c'est quoi les Colombiens? Ah super, ils ont des canons. Ah, bon, je vais peut-être perdre ce territoire. Mais je tiens à prendre celui-ci. Reddition. Accepté, ils n'avaient pas le choix. Un territoire en plus, ça on le restaure vite fait, bien fait. Voilà, ce territoire est assez riche, ma foi. Lorsqu'il sera bien amélioré, il va être très très riche. Regardez-moi ça, regardez ça, c'est pas magnifique tout ça? Ah, maquette, c'est pas magnifique! C'est magnifique, n'est-ce pas? Alors, let's see, on va restaurer le port. Ici, ma foi, je suis dans la merde. Ma foi, je suis très dans la merde, ils ont ces unités. Quoique moi, j'ai l'avantage de la qualité niveau technologie. Ma foi, à ce niveau, j'ai l'avantage. Ouais, j'ai pas le. Je pourrais pas faire ça, je pourrais faire qu'une unité à ce tour. Je peux éventuellement gagner ici. Éventuellement. Là, étant donné que j'avais en effet gagné une nouvelle technologie, je sais plus laquelle. Mais ça doit être en fonction des ports, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Et je peux améliorer mon port, ouais, c'est voilà, c'est cette technologie qui pourra me faire des obus, des navires bombes. Aviso, 5e rang, super, 6e rang, flûte, brique, vaisseau de l'amiral. Et 4e rang, les 4e rang, c'est l'un de mes bateaux favoris. Pour moi, c'est l'un des meilleurs bateaux. Je le trouve super. Je trouve que c'est un super navire qui a la classe. Bon, c'est pas tout, mais on va faire une bataille. Et comme je suis tellement crevé, on va faire la bataille. C'est tout. On fait la bataille après, mais. Basta, c'est fini. Le bâtiment, il fait beaucoup de fric. Ouais, ça va, il fait pas mal de fric quand même. Allez, hop, on prend toute l'armée. L'armée. Il y a quoi dans cette armée française? Il y a ça, il n'y a même pas une unité de canon. Dans cette armée, je suis sûr qu'il n'y a presque rien. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va diviser l'armée en deux. Avec ça. Avec ça, normalement, ça devrait largement le faire. Oh, regardez, c'est bon, c'est faisable, c'est gagné, victoire. L'armée espagnole n'existe plus, c'est tout à fait. C'est super. Ici, la population, ça va.
Ma foi, ça faisait quoi? Plus 4 bonheurs pour les classes inférieures. C'est super. Et ma foi, avec cette armée qui est encore puissante, on va s'occuper de cette armée espagnole. De cette armée espagnole, espagnole. Elle est finie. On va s'occuper de cette armée française. Voilà. Même que j'ai pas envie de faire la bataille, j'ai plutôt envie de vous. Oh, est-ce que je fais la bataille? Parce que là, il y a aucun, y aura aucun, vraiment aucun stratagème. C'est parti, victoire, j'ai gagné. Hasta la vista. Mes troupes, c'est bon. La population est tout à fait neutre maintenant. La France ne pourra plus se rebeller. Enfin, elle pourra, mais pas maintenant, ma foi. On va tout sélectionner, on va tout réparer. J'ai besoin d'une armée d'aplomb, en forme. Pour m'opposer à des unités, ma foi, qui ont. Ouais. Je perds totalement une unité comme ça, à cause de ce truc. Voilà, parfait, parfait, parfait. Ici, sur ce front, ça peut aller. Lui, je vois bien que tu arrives à tuer cet espagnol. Détecté sur son propre territoire. Rébellion en France, je le sais, je l'ai éliminé, rébellion. Voilà, c'est bon, parfait. La France est totalement à moi maintenant. Elle me posera quasiment plus de problèmes. Problème. Vous avez vu, je suis complètement fatigué, je suis complètement crevé. C'est parfait. Je vais pas faire un duel. Hein. Ah, quoique. C'est quoi le pourcentage? 50%, 50%. Moi, j'ai pas envie de prendre le risque. Super, j'ai un territoire en plus en Amérique. Toute l'Amérique du Sud est à moi. Je sais pas si Panama peut être considéré comme l'Amérique du Sud. Pour moi, c'est plutôt l'Amérique du Nord. Je m'en fous un peu carrément. Sur la base, sur risque, ça c'est l'Amérique du Nord. Ça c'est sûr. Je sais pas. Ma foi, je m'en fous un peu. Mais là, on peut voir qu'il n'y a rien en fait. Je peux m'occuper de tous ces territoires, mais très très facilement. Là, c'est. Le bâtiment, il me fera quoi? Plus 3 à la répression. Ouais. Ça peut être pas mal. Je n'ai quasiment plus de fric maintenant. Pas assez, du moins, pour tout restaurer. Ça aurait fait quoi, ça? Cavalerie. Et là, les canons. Ma foi, je vais pas dépenser ici. Pour la bonne et simple raison que ça vaut pas le coup. Ma foi, ça ne vaut pas du tout le coup. Ce bateau, il va aller vers la Havane, vers Cuba, pour voir un peu ce qui se passe dans le coin. On va aller ici. Cette flotte. Ici, c'est l'autre côté. J'aurais pas assez de vision. Bon, on va aller. Ma foi. J'ai un bateau ici, ça peut parfaitement aller. On va aller rejoindre l'autre partie de la flotte. C'est parfait, c'est parfait. Je vais gagner plus d'argent. 3960, c'est parfait. J'avais un territoire ici, là. Ce territoire-là, ma foi. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Ah, super, je gagne plus d'argent. 4367. On m'avait aussi dit de faire des murs. Sauf que faire des murs, ma foi, là, j'ai toutes mes villes ont des murs. Des murs de niveau 1, ça j'en suis parfaitement conscient. Mais les murs niveau 1 pour moi me suffisent amplement. Faire améliorer les murs niveau 2, c'est mieux, ça je le sais. Mais c'est pas, pour moi c'est pas tout à fait obligatoire. C'est tout. Bah oui, eux faudra que je m'en occupe un jour. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Là, je peux pas la restaurer. Ici, l'armée entière est en cours de restauration. Ah, ici, dans cette ville. Normalement, on sélectionne le tout. Ça devrait le faire pour que je puisse, voilà, réparer l'intégralité de ce que je peux réparer. Niveau recherche de technologie, on l'avait déjà vu, on y retourne. Au prochain tour, j'aurai ça. Pour la cavalerie, ce sera génial. Ça permet la formation en coin de la cavalerie. C'est pas mal, ce style d'attaque. Après, j'aurai ça. Moins un de bonheur, ça c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave pour le moment. Ça va être génial. Sinon, je regarde un peu le temps. Je suis déjà à 10 minutes, hein, ma foi. Attendez, surtout qu'il faudra que rajouter le générique qui dure plus une minute. Là, je suis à 10 minutes, 11 minutes donc déjà de vidéo. Là, c'est quoi? Ça, c'est.
Gênes, en paix. Moi, ma foi, j'ai rien contre Gênes, ils m'ont rien fait. Pour le moment, ils m'ont rien fait. Ma foi, là, je regarde, je suis en train de réfléchir. Tout en vous parlant, je réfléchis, mais truc de malade. Hein. Les Prussiens, c'est. J'ai envie de voir un peu les Prussiens. Non, là, je me mets pas dans le bon truc. C'est objectif si j'avais ça avant à regarder. Parce que ma foi, j'ai détruit l'armée espagnole et je voudrais voir ça. Ouais, armée, c'est bon, ils ont quasiment plus d'armée. Et moi, je m'affirme comme 4e puissance mondiale. Mais ce que je voulais surtout voir, c'était la diplomatie. Les Prussiens, ils sont en guerre contre qui? Moi, la Pologne, Lituanie et l'Espagne. Ouais, l'Espagne n'est pas du tout proche de la Prusse. Et la Pologne, Lituanie, ma foi, il reste plus que deux territoires. C'est. Ma foi, très dommage. Mais les Russes sont en guerre contre qui? Ils sont en guerre contre l'Empire ottoman, la Suède. Mais la Suède n'était pas elle-même en alliée avec la Prusse? Si. Ah ouais, quand même, on assiste à de drôles de guerres là, par là-bas. Ma foi, moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je m'entends assez bien avec les Anglais. Et l'Empire Marat. Ma foi, avec la deuxième puissance et troisième puissance mondiale, ça peut le faire. Même si cette armée m'énerve un peu, elle est ici, ne fait strictement rien. Elle pourrait aller se battre, elle. Parce que je crois qu'elle est en. Non, elle est peut-être pas en guerre contre. C'est contre qui est en guerre l'Angleterre? Ma foi, c'est utile de le savoir. Elle est en guerre contre l'Espagne. Et contre la Savoie. Mais si t'étais vraiment en guerre contre la Savoie, tu serais parti. Et ma foi, si j'étais les Anglais et que j'avais cette occasion avec cette armée ici, j'irais prendre la Savoie. En ayant ainsi un bon pied-à-terre pour la mer Méditerranée, c'est tout à fait. C'est une bonne stratégie à employer. Ma foi, mon armée, cette armée-là, elle va partir pour. Elle va partir pour l'Espagne. Je vais aller essayer de m'occuper de. Essayer de prendre Madrid. J'aurai des rébellions, ça c'est sûr, hein, ça faut s'y attendre. J'aurai des rébellions. Je regarde un peu qu'est-ce que je peux restaurer. Ah, cette unité-là, je peux la restaurer, c'est parfait. J'aurai des rébellions là-bas, mais prendre ces territoires, surtout Gibraltar, j'arrive même plus à parler. Gibraltar est un lieu stratégique très important. On va passer le tour en attendant. Ma foi, qu'est-ce que je peux vous dire? Sinon, je suis en train de réfléchir. J'ai installé la version 3.2 de Third Age. Ce qui fait que maintenant c'est fini. Il n'y a plus aucune chance que je récupère ma campagne avec le Gondor. Il n'y a plus aucune chance. Tant que j'ai téléchargé la 3.2. Sinon, bah, j'ai téléchargé la 3.2. Les unités sont sympas. J'ai bien aimé le gouffre de Helm ou la porte noire avec les nains. C'était super. Je me suis fait exploser, hein. Ça c'est pas étonnant avec les nains. Je suis pas très bon à Third Age, hein. Franchement, je suis pas bon de mon. Je suis pas bon. J'arrive pas. J'ai quelques difficultés avec Medieval 2 en ligne, en multijoueur. Sinon, c'est sur Shogun, j'ai le télécharge le patch. Je pensais pouvoir vous faire quelques batailles de Shogun en multijoueur. Parce que ma foi, j'adore jouer à Shogun. Shogun, quand j'ai l'occasion, j'adore. Malheureusement, sur l'ordi que j'ai, ça marche pas, étant donné que j'ai un ordi portable. Et malheureusement, sur un ordi portable, ça ne marche pas. Technologie militaire, formation en triangle, tu l'as fait, c'est parfait. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme recherche? Ma foi, il est en train de faire. Lui, il fait ça, les obus explosifs. Ouais, ça fait quoi? Gouvernement par consentement, moins un de bonheur. Moins un de bonheur, j'ai pas forcément eu besoin de. Ah, ça peut être pas mal. Moins 20%. Plus 5% de niveau de recherche. Ah, c'est bien ça aussi. Ça peut avoir. Aller plus pour ça plus vite, c'est pas mal. Jenny, pardon. Ah, ça peut être utile. Ça peut être bien ça. Oh! Être aussi très bien celui-là, mais moi ouais, j'ai pas besoin pour le moment, j'ai pas vraiment envie d'animer le bonheur de ma population. Attends, je suis un peu dans la mouise niveau à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est je vais faire, je pense que je vais faire ça, pas aller au fourneau, mais l'outil de mesure. Ouais, je vais faire l'outil de mesure.
fois qu'avec les canons en ayant les obus explosifs. Le mieux, c'est le shrapnel. Quand on a le shrapnel, c'est super bien les canons. Ouais, je pense que je vais faire le shra... je vais faire... Non, je vais pas faire ça, les obus explosifs maintenant. Bientôt, je ferai, mais pas tout de suite. Parfait, parfait, parfait. Ah, punaise, j'ai plein. J'ai de l'argent, là. J'ai de l'argent en masse. Qui veut garder de l'argent en masse? Andalousie, j'ai fait ma la mine. C'est parfait. Plus d'argent. 5 000, regardez-moi ça. Ma foi, ce qui m'inquiète, c'est cette armée-là. Cette armée-là m'inquiète un peu. Ce que je vais faire, c'est je vais continuer à recruter des unités qui sont ma foi nulles. J'en suis parfaitement conscient. Ma foi, je vais peut-être... Non, je vais pas le faire. On va restaurer ces bâtiments parce que ma foi, ça peut être utile. Surtout dans ces territoires hostiles à l'homme. Oui, ce que je vais faire, c'est ici, je vais améliorer mes mines. Plus 1000 de 2000 de voilà, plus d'argent, c'est génial. Il faut toujours avoir de l'argent, je répéterai jamais à l'assez, hein, ça. Mince. Ouais, ma foi, je vais peut-être pas faire ça, je vais d'abord restaurer ce bâtiment. Ce bâtiment est important, étant donné que là, le bonheur à la répression n'est pas assez forte. Ils peuvent toujours se rebeller dans le coin. Je vais d'abord faire ça. Je peux pas faire un truc si là je peux faire quelque chose. Là je recrute ce. Je recrute, je construis ce bâtiment. Les mines d'or, ça fait de l'argent, les mines d'or. C'est très utile. Là je peux faire quoi? Je peux faire la le conservatoire, là que je veux dire la conservatrice. Mais oui, mais oui. Ah là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là là. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux le faire, mais est-ce que je le fais? Ma foi, je peut-être pas utile. Ici, c'est fini, les pirates ne pourront plus revenir. Là, c'est là ce bâtiment. Vous voyez, là, vous dites pourquoi j'ai pas amélioré ce bâtiment. Ma foi, je l'ai pas amélioré, étant donné que l'armée rebelle ici pourrait l'attaquer au prochain tour. Et ma foi, j'ai pas tellement envie qu'ils m'abîment un bâtiment et détruisent l'argent que j'aurais dépensé à cet endroit-là. Sinon, la flotte arrive. Super. La flotte est arrivée. On va aller voir par là. Super. Est-ce qu'ici il y a du monde? Ah, super, il n'y a personne. Je vais aller prendre ce poste, ce point de truc et ça va être génial. Mission victorieuse, c'est parfait. Ah, Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Grenade, travailleur en grève, c'est d'accord. J'ai noté, j'ai tout noté. Ici, bah, je développe toujours par l'Inde. Hein. Vous me le dites, vous me reprochez beaucoup dans les vidéos, dans les commentaires. Pardon. Que je développe pas du tout l'Inde, mais c'est que l'Inde pour moi, c'est j'en ai besoin de l'Inde. J'ai un objectif, je dois prendre cette ville. Sauf que je la prendrai pas tout de suite, étant donné que j'ai quand même d'autres guerres. Alors une guerre en plus avec une faction qui est une des seules factions globalement m'aimer et à me donner, à faire du commerce avec moi, je vais pas cracher dessus. C'est si je déclare la guerre, d'accord, je déclare la guerre, j'attaque, mais ils m'attraqueront. Et ils me poutreront tout de suite. C'est pour le moment, pour moi, il est impensable que j'attaque l'Inde tout de suite. C'est impensable. Stratégiquement, ça ne le ferait pas du tout. Je vais d'abord essayer d'éliminer un front, étant donné que la guerre sur le front, c'est ma foi impossible. C'est attends, mais regardez les guerres mondiales, hein, l'Allemagne dans la première guerre sur deux fronts. Bon, elle a réussi à réduire un front, mais même sur le deuxième front après, elle n'a pas réussi. Et la Seconde Guerre mondiale, on n'en parle pas. Lorsque l'Allemagne nazie a attaqué la Russie, ils ont d'accord, ils ont pris d'immenses territoires. Ils sont allés, ils ont assiégé Saint-Pétersbourg. Ils sont allés jusqu'à 100 km de Moscou, globalement par là. Ils sont allés jusqu'à Stalingrad, qui se trouve globalement par là. Jusqu'ici, ils sont allés. Ils voulaient prendre Bakou. Enfin, il y avait tout un territoire énorme, mais sauf que ils n'ont pas éliminé l'Angleterre, qui les a bombardés complètement un peu
un peu détruit leur économie, et aussi l'essence lors de la guerre en Afrique. C'était les troupes anglaises ont quand même donné du fil à retordre à l'Africa Corps dirigé par Rommel. Et là, je me dis pourquoi je parle de la Seconde Guerre mondiale alors que je suis dans Empire. Je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Cette armée-là, toi, tu te restaures. Toi, tu te restaures. Non, toi, on va faire comme ça. Comme ça, toi, tu te restaures. Et ces trois unités-là, elles repartent rejoindre cette armée ici. Je vais rester en position tout à fait neutre avec la Prusse. Je vais pas attaquer, je vais d'abord éliminer un front. Je vais. Quoique là, je pense que j'y ai réfléchi. Je pourrais éliminer la Savoie. Ouais, je pourrais éliminer la Savoie, ce qui me ferait déjà un petit territoire. Quoique la Savoie, pour le moment, ne me fait strictement rien. Non, je vais rester contre l'Espagne. Quoique, en fait, je vais, ma foi, m'arrêter à ce tour. Là, je vais dépenser mon argent. On va se balader un peu. On va voir un peu ce que je pourrais faire. Là, je suis en train de faire le bâtiment, c'est parfait. On va s'arrêter là en fait. Là, je vous l'avais dit au début, petite vidéo sympatoche. J'ai pas envie de me casser la tête, franchement, pas du tout envie. Je suis complètement crevé, HS. Mais ce qu'on va faire, c'est on va s'arrêter là et vous allez me dire si ma stratégie actuelle, bon, ne me reprochez pas de pas attaquer l'Inde, ça c'est inutile, hein, vous me le dites assez souvent. Si ma stratégie de prendre mon armée et d'attaquer l'Espagne, ou est-ce qu'avec cette armée je prends d'abord Turin et après je m'en vais vers l'Espagne? C'est la question. Si vous pensez que c'est une bonne idée que je l'élimine d'abord l'Espagne avant d'éliminer la Prusse, parce que si on regarde bien, l'Espagne n'a quasiment plus d'armée. 57 ennemis militaires, moi j'en ai 151. À mon avis, là j'ai une grosse partie de mon armée qui se trouve seulement dans cette armée-là. C'est tout à fait génial. Je pense que je vais d'abord éliminer, ma foi, l'Espagne. Je pense que envoyer mon armée en Espagne, ça peut être très utile. Ça peut m'être utile, étant donné que ça j'hériterai ainsi d'un immense territoire avec un port supplémentaire en Méditerranée. Que si je prends la Savoie, j'ai un autre port méditerranéen, mais le territoire en Espagne est beaucoup plus riche que le territoire de la Savoie. Et en plus, je pourrais prendre Madrid, ainsi après attaquer Lisbonne et Gibraltar, et ça me ferait, ma foi, un gros territoire, et je serais si plus inquiété par le sud, par le sud-ouest. Ma foi, ça peut être une stratégie. Après prendre ces territoires, si j'arrive à prendre mon armée, à prendre Madrid, Lisbonne, essayer de mater toutes les révoltes possibles et imaginales qui se trouveraient par là, et après débarquer à Alger et prendre la Sardaigne, ainsi que ces territoires, ma foi, hein, Milan et Naples. Ma foi, ça pourrait être utile de prendre le Turin, Milan. Ça pourrait être utile. Mais je pense plutôt passer par là et faire le tour et limite envoyer après une autre armée secondaire, hein, pas très forte, pour prendre ces territoires-là et ainsi qu'on se rejoigne, que je traverse tout ça. Je sais pas encore. Mais je pense que je vais faire comme ça et envoyer un petit corps pour prendre les Milan, Sardaigne et Naples. Mais le gros prendra la péninsule ibérique. Voilà, c'est ma stratégie. Je pense qu'elle peut marcher. En attendant, je dois un peu consolider mes forces. Là, je vais essayer encore une fois de l'attaquer. Hein. J'aurais bien la réussir. Ah, je l'ai enfin tué. C'est génial. Il va plus me faire chier, ce gentilhomme espagnol. Et celui-là, paf, ma foi, pourrait être utile. Et cet agent pourra enfin m'être utile contre les Prussiens. Pour voir un peu ce qui se passe. Là, il me semble que j'ai un agent dans cette ville. Ouais. Est-ce que tu peux faire un acte de sabotage? On va aller saboter ce bâtiment. Il a été détecté. C'est très dommage. Ouais, pourquoi je parlais avec un accent pareil? Je le sais pas. Je critique pas les Allemands. J'adore l'Allemagne. C'est vraiment un pays magnifique. J'ai habité 4 ans en Allemagne. Quelque part par là. À Saarbrück. C'est tout à fait. C'est vraiment magnifique. C'est un pays superbe. On y mange très bien. Plus il y a la neige en hiver et pas avec un peu. C'est génial. J'adore l'Allemagne. Les gens sont très sympas. Et ma foi, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sinon, je peux vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous êtes plus de 130, 730. Truc de malade quand même.
pas de vidéo et vous abonner quand même. Franchement, merci bien. Je vous remercie beaucoup. Ça m'encourage à continuer. Prochaine vidéo sur Vaevictis. Ma foi, comme d'habitude. Et moi, je vous dis salut, au revoir et bon vent. Je t'ai piqué ta réplique, Alperich. Désolé. Ah là là, allez, salut les gens.